Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Option Région, on a en actualité, on va parler du pacte en environnement, vous avez dû en entendre parler, et on va avoir la première partie d'une biographie d'Alphonse Desvardins, le fondateur des caisses populaires Desvardins. En actualité aujourd'hui, on parle du pacte en environnement. Vous avez sans doute entendu parler du pacte en environnement. Là, on a vu là, dernièrement qu'à peu près 500 personnalités du monde artistique, des euh, personnalités du monde économique également, aussi, euh, qui euh, ont lancé ce qu'on appelle un pacte en environnement. En gros, ce pacte vise à faire en sorte qu'on incite les citoyens à poser des gestes concrets pour l'environnement, puis qu'en contrepartie, euh, le gouvernement, le nouveau gouvernement de M. Legault, euh, qui ne s'est pas montré très, très sensible aux questions environnementales, on ne peut pas dire que c'est sa priorité, euh, mais qu'à ce moment-là, on puisse faire pression sur le gouvernement de M. Legault pour qu'il puisse faire avancer un certain nombre de choses. Bon. Pourquoi c'est fait? Ben, entre autres, parce que de plus en plus d'organisations au niveau euh, national comme international, euh, même comme l'ONU, qui disent que là, c'est urgent qu'on ait des mesures. Pour éviter les catastrophes qui risquent d'arriver, on voit de plus en plus de sortes de phénomènes qui sont inquiétants. Et là, il faut agir. Et là, les 500 personnalités, ce qu'ils nous disent, c'est que appuyez le pacte et à ce moment-là, ça devrait donner quelque chose. Ce qu'on dit aux gens, c'est non seulement signez le pacte, mais engagez-vous à faire des actions réelles, des gestes concrets. Ce n'est pas une pétition qu'on signe et qui ne s'engage à rien. Qu'est-ce que ça contient, ce pacte-là, comme idée, là, comme suggestion pour les citoyens des gestes concrets qui pourraient être faits en environnement? Bien, entre autres, parmi les mesures suggérées, bien, il y a la réduction de la consommation du pétrole qu'on utilise, là, soit par le biais de la réduction de l'utilisation de notre voiture, soit par le biais d'une utilisation plus grande de la marche du vélo ou de transport collectif. Les, ça peut être aussi de prendre des mesures au niveau éco-énergétique, comme par exemple d'avoir une meilleure isolation dans la maison pour diminuer notre consommation d'énergie. Ça peut être aussi de changer le système de chauffage qui est à l'huile vers l'électricité, parce que l'huile, c'est plus polluant que l'électricité. Euh, <coughs> ça peut être également aussi de diminuer notre consommation de viande en particulier la viande rouge, parce que c'est plus énergivore, ça prend beaucoup plus d'énergie pour produire, on pourrait dire, une livre de viande rouge que d'autres produits comme les légumes, etc., ou même le poulet, Et beaucoup moins énergivore. Ça peut être aussi de ne pas acheter, pour ceux qui ont de l'argent, de ne pas acheter d'actions de compagnies qui sont dans les énergies fossiles ou polluante. Ça peut également être d'acheter des, des aliments ou des produits qui sont fabriqués localement pour éviter les gaz à effet de serre, de réduire notre production de déchets en évitant d'acheter des produits sur Ça peut être aussi de faire du compost. Ça évite de faire forier le stock ailleurs, comme on dit. Ça peut être de planter des arbres. Il y a toutes sortes d'idées de, 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 intéressantes. Et en, à la fin, on demande au vent ben, d'inviter les parents, les amis à signer ce pacte-là sommes toute, dans le fond, euh, ce pacte-là, ce qu'il veut, c'est de faire en sorte que les citoyens se rendent compte qu'ils peuvent et qu'ils doivent avoir un rôle à jouer dans la question de l'environnement. Il ne s'agit pas juste de se demander qu'est-ce que les compagnies peuvent faire, les compagnies devraient faire ça. Nous autres, en tant que citoyens, par le biais de nos achats, par le biais de nos actions, on a un rôle à jouer. Et entre autres, là, Waridel disait qu'acheter, c'est voter. Quand on achète des bons produits, bien, ça aide à protéger notre environnement. Quand on achète des mauvais produits, bien, ça détériore. On est un des acteurs, puis il faut en être conscient. Dans le fond, ce qu'il faut se demander, c'est euh, par rapport à notre consommation, par rapport aux produits qu'on a, est-ce qu'il y a des affaires qu'on peut changer? Bon, par exemple, mettons que vous avez une chaloupe, un euh, moteur deux temps, ça pollue plus qu'un quatre temps. Bien, vous devriez peut-être sauver à le changer euh, éventuellement. La même chose, si vous avez un système à l'huile, vous devriez peut-être le changer pour un système de chauffage plus, plus écolo, soit à granules, bois ou à, à l'électricité. Puis, entre autres, le bois, si vous avez un vieux poêle à bois qui était d'une époque qui n'était pas très réglementé, plus polluant, vous devriez peut-être acheter un nouveau poêle qui est plus écologique, qui pollue moins, moins de particules dans les airs. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, bien, ça, ça prend de l'argent. Puis c'est vrai, ça. Moi, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer pour toutes sortes de raisons économiques en bonne partie. Mais ça n'empêche pas même les gens les plus démunis de poser des gestes concrets sur l'environnement. Bon, même si vous êtes pauvre, ça ne vous empêchera pas de ramasser une cochonnerie à terre. Moi, j'en ramasse au moins trois à tous les jours, beau temps, mauvais temps, puis des fois bien plus. Euh, Puis ça n'empêche pas personne, même s'il est pauvre, de fermer la lumière d'une chambre qui est restée allumée quand on n'est pas là-dedans. On peut toujours trouver quelque chose à faire, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Le principe, dans le fond, c'est de se responsabiliser collectivement. Puis l'avantage de l'implication citoyenne, c'est que quand on multiplie le nombre d'interventions, quand on multiplie les intervenants, ben, ça risque d'avoir un effet de masse qui peut changer quelque chose. Puis également aussi, c'est que si on veut que le gouvernement prenne des actions, bien, il faut être nombreux à en faire et à demander au gouvernement, lui aussi, de faire des actions. Je marche des deux côtés. Là, ça veut dire que, dans le fond, non seulement on aide individuellement, mais on peut inciter le gouvernement à faire quelque chose d'intéressant. Puis là, il y a toute une série de mesures qui est suggérée au gouvernement, là, pour que le gouvernement puisse devenir un peu plus écolo, en guillemets. Et euh, parmi ces mesures-là, euh, qui sont demandées au gouvernement, c'est qu'on dit que, que le gouvernement devrait avoir un plan d'ici 2020, c'est pas loin ça, là, euh, qui permettrait d'atteindre ou même de dépasser nos objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, de déclencher aussi un vaste chantier d'efficacité énergétique et d'électrification des moyens de transport. On dit aussi que le gouvernement devrait s'engager à ce que chacun de ses ministères puisse réduire de 50 ses émissions de gaz euh, produites là, dans toutes sortes de domaines. De déployer aussi une campagne d'éducation nationale sur les changements climatiques puis sur les solutions à, à y apporter. Également, de développer davantage la biodiversité et la protection des divers euh, écosystèmes, de tenir un sommet sur l'aménagement du territoire et d'adopter une politique d'architecture et d'aménagement. Il y a un certain nombre d'autres mesures. Puis c'est sûr que tout ça, c'est pas parfait. Bon, il n'y a rien de parfait dans la vie. Là. Moi, ce qui me choque, c'est de voir que, t'sais, oh, moi, je trouvais que même si ce n'est pas parfait, je suis d'accord avec ça, puis je pense qu'il faut avancer là-dedans. C'est de voir toutes les critiques qui sont mises là, sur le Web là, des affaires, de, de, vraiment, en tout cas, à mon avis. C'est sûr qu'on peut toujours critiquer quelque chose. Là, il y a toutes sortes de monde qui dit « Ah, oh, les artistes, ils veulent se faire de la publicité gratuite. Ah, oh, ils voyagent en jet, puis ils voudraient qu'on économise. Euh, bon, il y en a qui veulent se faire de la publicité, etc. Ce monde-là qui fiole, là qui passent le temps, les spécialistes du chiolage, là, c'est quoi qu'ils proposent aux C'est quoi leur solution? Bien, souvent, ils n'ont pas de solution. Puis même que leur critique, c'est une façon de se dédouaner ou de se déculpabiliser de rien faire, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que là, on embarquerait bien là-dedans, mais c'est pas assez des bonnes idées. On va attendre qu'il y ait vraiment des bonnes idées. Bien, ce monde-là, là, qui ne veut rien faire, ben, j'ai une petite suggestion, là, c'est que si vous ne voulez pas aider... là. Au moins vous pourriez-tu pas nuire? Vous pouvez-tu fermer pile patate un peu, là, puis euh, de réfléchir un petit peu. Puis quand vous aurez une solution, envoyez-le nous là. On va bonifier le projet, on va l'améliorer. Mais le fiolage, là? Non, merci. Là, je m'adresse aux gens qui, eux autres, pensent que c'est possible de faire quelque chose. Ceux qui croient que le plus petit des gestes vaut la peine d'être posé, bien, vous autres, ce que je vous dis, c'est... Allez voir sur le site internet du Pacte pour la transition. Puis là, on va le voir à l'écran. Là, c'est clair, vous pouvez aller voir c'est facile à atteindre. Là, ça fait que vous allez avoir en tout cas facilement. Là, vous avez toute la description euh, des mesures qu'on peut prendre, des mesures qui sont suggérées au gouvernement. Puis là, il faut que vous signiez ça en bas. C'est un vrai engagement. Puis, moi, je vous incite à le faire. Puis aussi, c'est qu'une fois que vous allez avoir signé, il va falloir que vous respectiez vos engagements. Là. pas, c'est quelque chose de concret. Là. Il faut que ça marche. Si un million de personnes signent le Pacte Garantit qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est l'objectif que les, les gens qui ont lancé le, le projet là, de Pacte pour l'environnement voudraient atteindre. Persuadé que s'il y a un million de personnes de Québec qui signent ça, il va se passer quelque chose. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra devenir des leaders mondiaux de l'action en environnement. Et ça, ce serait pas mal meilleur qu'être les leaders du chiolage puis du mamérage. Biographie d'Alphonse et de Dorimène Roy des Jardins, la femme d'Alphonse de des On va faire la biographie du fondateur de, des Caisses Populaires des Jardins. Tout le monde connaît les Caisses Populaires, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse vraiment l'histoire de celui qui va mettre en place ce mouvement-là et de sa femme Dorimène. Euh, C'est que de temps en temps, j'aime ça, euh, raconter des histoires de personnages qui ont marqué le Québec, surtout quand ils ont consacré leur vie bénévolement pour cette cause-là. Ben, Desjardins, c'en est un bel exemple. Pour euh, réussir à faire cette biographie-là, je me suis servi d'une biographie de Guy Bélanger euh, qui s'intitule Alphonse Desjardins. C'est aux éditions Septembrion. C'est y en a qui sont intéressés, c'est très intéressant, puis on découvre toutes sortes de choses qu'on ne connaissait pas là-dedans. Disons tout d'abord que Desjardins est né à Lévis en 1854, puis il est mort en 1920. Euh, sa famille fait partie d'une des plus anciennes familles du Québec. Là. Son ancêtre, Antoine Roy, dit Desjardins, s'était engavé dans ce qu'on appelait à l'époque le régiment Carignan-Salière. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1665. Le père d'Alphonse Desjardins, c'est un journalier. On dit qu'il a des problèmes de santé. On dit aussi qu'il qu guit pas la bouteille, comme on dit. Puis ça fait qu'il y a beaucoup de misère à avoir, à garder ses emplois. Euh, c'est sa femme qui est obligée de faire vivre la famille assez souvent. Sa femme est obligée d'aller faire des ménages, euh, faire du raccmodave, etc. Là, dans des familles de riches, là. ils vivent très pauvrement. Puis entre autres, euh, Alphonse raconte que quand il était jeune, euh, à un certain moment donné, un matin, qu'il avait presque pas mangé. Euh, que sa mère est partie pour aller faire des ménages. Et le midi, ils n'ont pas mangé parce qu'il avait rien à manger. Et le soir, quand sa mère est revenue, elle a donné cinq sous à Alphonse pour qu'il aille acheté un pain. Il a demandé un pain à Monsieur Boucanien, l'épicier du coin. Euh, puis euh, là, le monsieur lui a donné le pain. Puis Alphonse a donné les cinq sous. Mais là, le monsieur il a dit, ce c'est pas cinq sous, c'est huit sous euh, pour le pain. Et là, Alphonse s'est mis à pleurer. Le commerçant lui a demandé pourquoi. Puis là, il a raconté que le matin, il n'avait presque pas mangé. Le midi, il était seul à la maison, il n'avait pas mangé non plus. Puis que s'il rapportait pas de pain, euh, il mangerait pas pour souper, puis il se couffrait sans avoir mangé de la journée ou à peu près. Le commerçant l'a pris un peu en pitié et c'est normal. Et là, à ce moment-là, il lui a donné non seulement le pain, il lui a donné du beurre, du sucre, la farine, euh, puis toutes sortes d'autres vivres. Puis il est revenu à la maison avec un sac euh, bien plein de nourriture. Puis ça, ce que ça démontre, euh, d'une part, c'est qu'un événement comme ça, ça a dû marquer. La vie de Desjardins. Lui, là, dans le fond, c'est qu'il a dû se dire, il faut plus que ça arrive, ce genre d'événement-là. Pas juste pour moi, pour ma famille, mais pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. C'est totalement inacceptable de vivre dans un tel état de pauvreté. Puis aussi, ce que ça démontre, c'est que euh, les commerçants, c'est n'est pas juste du monde là, qui font de l'argent. Il y a des gens qui sont très généreux. Même, je peux vous dire que si ça n'avait pas été de la générosité de certains commerçants, il y a des familles euh, qui auraient eu bien de la misère à passer au travail. La mère d'Alphonse Desvardins, qui est très vaillante, euh, elle sait lire, mais elle ne sait pas écrire. Puis elle ne veut pas que ses enfants euh, subissent la même chose qu'elle. Ça fait qu'à ce moment-là, elle fait tous les efforts possibles pour qu'ils se fassent instruire. Cet enfant qu'elle va réussir à faire instruire, euh, bon, entre autres, euh, Desvardins est très bon à l'école, il obtient des prix d'excellence. De, euh, mais à un certain moment donné, euh, quand tu fais les études en latin, le cours classique, il est obligé d'abandonner autour de 15 ans euh, parce que ça coûte trop cher, puis il faut qu'il y ait de la famille. Ça fait qu'à ce moment-là, il est obligé de leur faire les écoles. Par la suite, il va s'enrôler dans l'armée. Euh, il va devenir euh, rapidement sergent-major parce qu'il il veut, comme on dit. Puis il va participer, entre autres, à des expéditions extrêmement difficiles au point de vue physique. Son séjour dans l'armée va le marquer probablement également. Puis c'est ce qui va faire que son caractère va se développer, surtout sa détermination à mener à bien des missions. Par la suite, il devient journaliste dans un petit journal de Lévis, L'Écho de Lévis, de 1872 à 1876. Puis il rencontre sa future femme, Dorimène Roy. Euh, sa future femme, elle est dans une famille très pauvre. Euh, ses parents ne savent pas lire ni écrire. Et à ce moment-là, c'est qu'une de ses tantes, qui elle, a un peu plus d'argent, qui vit plus à l'aise, qui a pas d'enfant, elle décide de l'adopter. Les parents lui donnent, parce que, dans le fond, ils savent qu'elle va avoir une meilleure vie que là. Et ça, ça va lui permettre de se faire instruire, d'avoir une bonne une bonne instruction et de vivre un peu plus décemment, comme on dit. En 1879, elle se marie avec Alphonse Desjardins et quelques semaines plus tard, Alphonse lui donne un missel. Un missel, c'est un livre religieux qui permettait de suivre puis de dire la messe à l'époque. Dans ce missel-là qu'Alphonse donne à sa femme Dorimène, il a écrit une pensée qui, et cette pensée-là, c'est l'union fait non seulement la force, mais le bonheur. Et ça, c'est une pensée qui va être au cœur de toute sa vie. Toujours en 1879, euh, l'année de son mariage, euh, il décide d'entreprendre de, une nouvelle aventure. Il va décider d'être le sténographe, euh, entre guillemets, bénévole de l'Assemblée nationale du Québec. Euh, à ce moment-là, on appelle ça l'Assemblée euh, législative du Québec. À cette époque-là, les débats qui avaient lieu en Chambre n'étaient pas retransmis, n'étaient pas écrits, euh, sauf quelques discours de temps en temps. Puis à ce moment-là, lui, il trouvait que c'était important qu'on laisse des traces, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est discuté au Parlement. Et à ce moment-là, il va entreprendre à ses frais de prendre tous les discours en sténographie. Puis la sténographie, c'est une façon d'écrire des mots plus courts pour réussir à écrire tout ce qui s'est dit en, en, au fur et à mesure. Et euh, à ce moment-là, c'est qu'il va publier des volumes à ses frais. Dans ces volumes, il va décrire euh, tous les discours euh, qui ont été faits à l'Assemblée nationale. Puis, pour éviter qu'il y ait des erreurs ou se faire chialer au bout de paraître un peu impartial, il va demander à chacun des hommes qui a fait les discours de pouvoir vérifier si c'est vraiment ça qu'ils ont dit. À ce moment-là, il fait des corrections au fur et à mesure. Et euh, il va réussir à, à publier ça pendant plusieurs années. On dit qu'il a, a fait une collection de 21 volumes de discours dont l'épaisseur était variable, mais c'était tous des assez gros volumes. On dit que chacun des volumes avait entre 513 et 2925 pages par année. Et euh, comme, comme je disais, c'est qu'il réussit à vendre des copies à toutes sortes de monde qui sont intéressés par ça. Et par la suite, le gouvernement va décider de lui donner une petite subvention pour être capable de continuer la publication de ces débats-là. Un peu à la même époque, grâce à un petit héritage que sa femme va recevoir de sa nouvelle famille, ça va permettre au couple de pouvoir se construire une nouvelle maison dans un quartier proche de l'église, dans un quartier de notables, puis il va y avoir une maison de style qu'on appelle néo-gothique, comme on peut voir à l'écran. Cette maison-là existe encore, c'est le siège social, on pourrait dire historique des, des caisses des Jardins. Puis, Alphonse Desjardins, c'est quelqu'un de généreux. La famille de son père et de sa mère sont encore dans de grandes difficultés. Et à ce moment-là, on dit qu'il donne un tiers de son salaire de 15 piastres euh, par semaine à sa mère pour qu'elle puisse vivre. En même temps qu'Alphonse, c'est un gars généreux, il a un petit côté de dépensier. Là, où, euh, bon, il se fait plaisir un petit peu, puis lui, il collectionne des pipes, puis il a tendance à acheter des pipes qu'il n'a pas nécessairement besoin. Et à un certain moment donné, il convient avec sa femme que ce serait mieux que ce soit elle qui s'occupe des finances publiques euh, du couple. Puis à ce moment-là, c'est elle qui va gérer l'argent de, de son salaire. Comme ça s'est fait là, dans bien des familles du Québec, souvent les femmes ont été meilleures conseillères financières que les hommes. Puis entre autres, euh, sa femme, elle lui laissait 25 cents par semaine pour ses petites dépenses. Fait que là, il n'y avait pas un elastique qui était très long, comme on dit. En décembre 1899, euh, Desjardins euh, a une espèce de chicane avec le premier ministre Mercier. Euh, puis finalement, ça finit que Mercier décide de lui enlever la subvention qui lui permet de gagner sa vie, qui fait qu'il ne peut plus écrire les débats, il ne peut plus euh, gagner sa vie avec ça. Durant les mêmes années, durant les années 1880, il y a une espèce d'effervescence un peu partout dans le monde au Québec, toutes sortes d'organisations qui revendiquent toutes sortes de choses. Il euh, faut se rappeler qu'il y a eu, entre autres, dans les années 1848, la publication du Manifeste du Parti communiste. Il y a de, toutes sortes d'organisations qui revendiquent une meilleure société. Il y en a qui revendiquent pas beaucoup, ils revendiquent plus de charité, entre guillemets. Puis il y en a d'autres qui veulent aller jusqu'à la révolution euh, communiste, qui va abolir le système capitaliste. Bon. Desjardins, il n'est pas rendu là. C'est un, un catholique fervent, ce qui ne peut pas être communiste, là. mais il se rend bien compte que le système économique, ça ne marche pas. Puis aussi, c'est que euh, le, le système catholique, là, ce qu'ils disent, c'est que c'est par la charité, puis la philanthropie qu'on va réussir à régler les problèmes des pauvres. Lui, il croit pas à ça, il n'accepte pas ça. Tu sais, c'est clair. lui, il dit que la charité et la philanthropie sont impuissantes à pouvoir résoudre les nombreux problèmes sociaux qui existent. Lui, c'est un grand lecteur, un passionné là, de, de nouvelles formes d'associations, on pourrait dire économiques, solidaires ou autres. Puis, il lit beaucoup sur ce qui se passe en Europe, parce qu'en Europe, ils sont en avance sur le Québec pour toutes sortes de raisons. Puis, il croit que le problème le plus important euh, qui fait que les pauvres ne peuvent pas sortir de la pauvreté, c'est qu'ils n'ont pas accès au crédit. C'est que dans le fond, ils ne peuvent pas acheter des biens euh, pour, pour pouvoir rembourser par la suite parce qu'il n'y a personne qui veut leur prêter. Ils sont obligés de faire affaire avec des, ce qu'on appelle aujourd'hui des failles là, mais ça existait aussi à cette époque-là. Puis quand tu fais affaire avec des gens qui ont des taux d'intérêt de, de, faramineux, bien, tu restes dans la misère pour le restant de tes jours. Puis euh, Desjardins il dit qu'il faut cesser le paternalisme puis passer à un système dans lequel les gens vont pouvoir avoir leur propre autonomie financière. Desjardins, c'est aussi quelqu'un qui est très préoccupé par le développement local de Lévis. À cette époque-là, Lévis accuse un profond retard par rapport à la ville de Québec qui se développe rapidement. Il euh, y a toutes sortes d'industries qui se développent dans le secteur de Québec, alors qu'à Lévis, c'est bien tranquille, puis... Lui, ce qu'il dit, c'est qu'un euh, des, un des, un des problèmes fondamentaux de Lévis, c'est qu'il n'y a pas d'institution financière qui peut venir appuyer des entrepreneurs qui vont démarrer des entreprises. Il y a une petite caisse d'économie qu'on appelait à l'époque, mais les caisses d'économie, ça sert uniquement qu'à déposer de l'argent. Euh, tu ne peux pas emprunter comme tel, là, ça fait que c'est assez limité euh, comme institution financière. On dit qu'en 1891, Lévis est la plus grande ville du Canada qui ne possède pas d'institution financière. Et euh, cette année-là, en 1891, euh, Desjardins, qui cherche un emploi, va démarrer un nouveau journal euh, qui s'appelle L'Union canadienne. C'est un journal conservateur. Euh, ce qui a d'intéressant comme particularité, c'est que c'est un journal qui a une chronique internationale. Quand même assez rare à l'époque, en 1891, de voir chronique internationale dans un journal québécois. Un journal local en plus à Lévis. Non seulement il y, a une, il y a une chronique internationale, mais il défend les valeurs catholiques de l'époque. C'est un, un catholique là, qui, qui croit dans, dans la religion. Puis entre autres, euh, c'est ce qui fait qu'il va s'opposer au vote des femmes parce qu'il dit que la politique, c'est trop sale pour qu'on mêle les femmes à ça. Il dit que la politique, c'est un monde de mensonges, de calomnies, puis qu'il faut éviter que les femmes soient contaminées par ça. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, il est tout seul pour faire fonctionner son journal, euh, la santé périclite, il travaille trop, il tombe malade, il est obligé d'abandonner son journal après quelques mois. Mais fort heureusement, il réussit à se trouver un nouvel emploi à Ottawa maintenant, à la Chambre des communes d'Ottawa. Et là, il va faire la même chose qu'il faisait à Québec, il va retranscrire en sténographie. Euh, les débats de la Chambre à Ottawa. Et à ce moment-là, il va être payé. Ça fait que là, ça lui assure un salaire. Et il va faire ça quasiment jusqu'à la fin de ses jours. C'est la job qu'il va faire. Le problème, c'est que comme l'emploi est à Ottawa, il lui demeure à Lévis. Bien, il est presque jamais chez eux. C'est sa femme qui doit s'occuper de toute là, de la famille, de, de tout ce qui se passe là, dans, dans la maison. Euh, ce n'est pas, pas nécessairement facile pour lui. En plus, durant cette période-là, il y a deux de ses enfants qui meurent en bas âge de ce qu'on appelait la diphtérie. La diphtérie, c'est une espèce de maladie pulmonaire qui, aujourd'hui, est à peu près réglée euh, grâce à des vaccins, mais à cette époque-là, on mourait de ça très rapidement. Mais les problèmes de Desjardins ne l'empêchent pas de vouloir continuer à amener des industries euh, dans le secteur de Lévis. Puis lui, il devient comme une espèce de commissaire. Quand la, quand la Chambre des communes ne siège pas, il y a des mois que la, la Chambre des communes ne siège pas, il devient une espèce de commissaire industriel bénévole. Il réunit des gens, euh, des personnalités du monde économique, euh, du monde aussi religieux, pour les inciter à, à se donner une corporation qui va faire du développement économique dans le secteur de Lévis. Suite à ces lectures, il s'aperçoit qu'en Europe, puis même au Canada, là, mais il y a euh, ce qu'on appelle des assurances-vie qui ont commencé à être mises en place. C'est-à-dire qu'un père de famille peut prendre une assurance euh, sur lui. Comme ça, bien, si jamais il meurt, bien, la famille ne tombera pas euh, dans des problèmes euh, extrêmement grands. Euh, bon, puis il a pas assez proche de décoller ça, mais finalement, pour toutes sortes de raisons, si ça ne marche pas. Il va revenir à une autre idée qui lui tient à cœur, celle de démarrer une institution financière propre au Québec. Et ça, ça va être provoqué par un événement qui se passe en 1897 au Parlement. Il y a un député qui propose un projet de loi qui vise à éviter euh, les espèces de « shylock » que vous disiez tout à l'heure, les, les prêts usuraires qui faisaient en sorte que les gens payaient des intérêts, payaient des intérêts, etc. Et euh, le député amène, entre autres, des preuves à l'effet qu'il y a un Montréalais qui, après avoir emprunté 150 dollars à une personne était obligé de payer $5,000 d'intérêt. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Et là, c'est sûr que c'est un véritable scandale. Mais là, c'est qu'à un bon moment donné, Desverdins, ce qu'il se dit, c'est que là, il faut qu'on trouve une solution pour ça. Tu ne peux pas juste dénoncer ça, il faut que tu trouves une solution. Desverdins fait des recherches, euh, il amasse son dossier là, sur les prêts usuraires. Puis entre autres, ce qu'il constate, c'est que dans le fond, les banques qui existent au Québec euh, à ce moment-là, c'est que là, ils refusent de prêter aux travailleurs, ils refusent de prêter aux petits commerçants parce que, dans le fond, ils n'ont pas assez de biens en garantie, ça fait qu'ils vont rester pauvres. Donc là, lui, il dit qu'il faut trouver d'autres choses. Il fait venir toutes sortes de documents de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, euh, qui, à ce moment-là, regroupent beaucoup d'entreprises de, coopératives au niveau de la consommation puis au niveau de la production. Mais ça, ça ne l'intéresse pas vraiment parce que lui, c'est plus l'aspect financier qui l'intéresse. La consommation, c'est pas que ce n'est pas important. La production, c'est important aussi, mais ce n'est pas ça, lui, sa force. On dit qu'il va faire venir toutes sortes de volumes et, et qu'à sa mort, dans sa bibliothèque, il y avait plus de 1000 ouvrages concernant soit l'économie sociale, les, des études sur des nouvelles formes de coopération, etc. Il y avait vraiment probablement la plus grande bibliothèque du Québec sur tout ce qui s'appelait économie sociale et et solidaire en guillemets. Entre autres, euh, il découvre là, dans, dans une de ses lectures, euh, en Angleterre, il existe ce qu'on appelle la Société des équitables pionniers de Rockdale, qui regroupait 28 tisserands, qui avaient formé une coopérative, puis qui avaient mis de l'avant quatre règles fondamentales, et lui, il va prendre ça, ces quatre règles-là, puis il va mettre ça dans son futur mouvement. Ces quatre règles-là, c'est la première, c'est le principe de la porte ouverte, ça veut dire que tout le monde... Peut devenir membre de cette coopérative-là sans égard au sexe, à l'âge, à la nationalité, etc. Deuxième, c'est que deuxième critère, c'est la, la question de, du contrôle démocratique. Ça c'est un membre, un vote. C'est égal pour tout le monde. Le, le troisième, c'est la répartition des dividendes au prorata de leur opération dans la société. Plus tu as fait affaire, bien, plus tu vas recevoir en tout cas des, des dividendes. Il y a un lien entre les deux. Et quatrième élément, c'est que la rémunération des taux d'intérêt doit être la plus basse possible pour faire en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde. Ces quatre règles-là sont encore au cœur des entreprises de coopération aujourd'hui. Et en 1898, un peu plus tard, un des volumes que Verdins va lire, ce volume-là, il s'appelle People's Bank et ça a été écrit par Henry William Wolfe, euh, qui, dans le fond, décrit les banques du peuple. Parce que ça existe, entre autres, là, ce, en Europe, là, un système, un système d'épargne et de crédit qui était implanté euh, dans ces années-là. Puis, entre autres, Desjardins, à partir des années 1898 à 1900, dans ces deux années-là, il va correspondre avec toutes sortes de monde qui ont écrit des livres ou qui gèrent des institutions financières en Europe de type coopératif. Et à ce moment-là, ça lui permet de voir qu'est-ce qui s'est fait. Puis, lui, à partir de ça, il va inventer un système qui va être propre au Québec. Il ne copie pas intégralement ce qui se fait ailleurs. Il prend un peu de ce qui se passe en Italie, un peu de ce qui se passe en France, en Angleterre, puis là, il va faire un système qui est adapté à la réalité du Québec. À l'époque, euh, à la fin des années 1890, ce n'est pas nécessairement une période facile pour démarrer une nouvelle institution financière parce qu'il y a beaucoup de banques qui font faillite à, à ce moment-là, puis ça crée une espèce de vent de panique. Ça fait que les conditions ne sont pas nécessairement gagnantes, mais c'est un fonceur, puis il va y aller pareil. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous invite la semaine prochaine pour la suite de l'histoire d'Alphonse et de Dorimène Desjardins.